Bah, t'embêtes plus que ma maman, bah moi aussi je peux t'emmerder. Mais vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Vas-y, emmerde-moi. Emmerde-moi, vas-y, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, bah je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi, toi? Un respect avec ma... Oh, c'est quoi ce geste que je viens de voir? Je suis en train de te parler. Oh, Kevin. C'est bon. Ouais, regarde qui je suis, regarde qui je suis. Oh, c'est bon, vas-y. Je suis en train de te parler là. Donc quand je te parle, tu me regardes. Messieurs, messieurs, bonjour, bonjour, on arrête, c'est bon? Tu te calmes ou pas? Tu te calmes ou je te calme? Oh, je te parle. Tu te calmes ou je te calme? Tu me réponds ou pas? Tu me réponds ou pas? Je te calme ou tu te calmes? Putain, là. Fasse-moi ton sourire, je te dis. Quoi, mais non? Tu joues les grands, toi? Ouais, télécommande déjà, tenez. Tu vois, en deux secondes, je fais quoi? Je prends les télécommandes. Tu vas faire quoi, toi? Rien. Donc, toi, tu fais rien? Tu bosses pas? Ouais. Tu écris des pseudo-textes, je crois, c'est ça? T'es rappeur, apparemment, ou je sais pas quoi? Ouais. Parce que j'ai compris. Et donc, tu fais un de tes journées, tu réclames de l'argent? Je pense que c'est normal. À 22 ans? Non. Voilà, encore. Regarde, elle où ta garde? T'as vu en un coup? T'as fait de la boxe, toi? Toi, tu frappes ta mère? Là, t'as un mec en face de toi. Cache souvent un cœur tendre. C'est boule et bille, ça? Hein? Ouais. C'est qui boule et c'est qui bille? Tu sais ou pas? Non. Tu sais pas? Pourtant, t'as la serviette. Ça te correspond, la serviette, c'est ça? Encore? Oui. Encore? Allez. Encore? Allez, lève-toi! Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu dors de quoi? Tu te lèves? T'as compris ou pas? Pourquoi tu veux pas te lever? Tu t'es énervé, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges avec moi, toi? Lâche-moi, je te crevais! Désespérément silencieux, Philippe donne du fil à retordre à Pascal. C'est un coup de pied pour toi? C'est un coup de pied. Ah ouais, tu vois? Tu veux que je t'en mette un vraiment? Je te pousse comme ça le visage, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux avec moi? Pousse-moi, vas-y, mais vas-y, prends-moi. Vas-y. Là, t'as un bonhomme face à toi. Vas-y, c'est quoi alors l'histoire? Armand se jette sur son marteau. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait moi? Je t'ai fait du mal moi? Vas-y, pousse-moi, vas-y. Allez, vas-y, pousse-moi. Allez, vas-y, gaillard, vas-y. J'en ai marre, moi. Ouais, vas-y. Comme Rambo et Mongol. Voilà, c'est ça. Oh, te prends pour un Mongol. Pourquoi te prends pour un Mongol? Dis-moi. Dis-moi pourquoi. Allez, pose ton journal. Avec moi, on sort bien. Vas-y, discute avec moi à l'extérieur, c'est mieux. Sinon, je t'affiche devant tout le monde, c'est ce que tu veux. Non, c'est bon. Ah, bien sûr, moi. Mi est la source de bien des mots. Notre éducateur a donc prévu de le confronter dès à présent et de manière frontale à ce problème. Ah, bah voilà. Ah, mais il marche pas ça. Hein. Ah, bah écoute, il y a que ça de toute façon, je t'explique. Ah, bah, dites, tu vas. Je t'entends dire. Petit gros mot, t'insultes ta mère. Alors qu'est-ce qui se passe, dis-moi, qu'est-ce que je fais ici? Ça va pas avec ma mère. Ah ouais? Tu fais quoi de ta vie aujourd'hui? Rien. Rien du tout? Vas-y, moi je me casse. Ah, c'est de là que ça m'a. J'ai monté en pression, que j'ai pas mangé, après je me suis énervé, puis je suis parti de la salle. Elle m'a tapé la route. Tu as quel âge? 20 ans? 20 ans. Et tu végètes chez toi? Tu végètes, tu manges, tu glandes, tu manges, tu manges, tu glandes. Ça, ta vie? Tu végètes, tu manges, tu glandes, tu manges, tu manges, tu glandes. Ça, ta vie? Bah non. Et ton truc Harry Potter, c'est quoi? C'est le soir quand ta chambre est fermée? Tu montes sur ton balai, tu vas faire un tour, c'est ça? Non, mais je sais pas, c'est une question que je te pose. Ah, je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, c'est ma grand-mère qui m'a acheté. Ah, donc ça t'y tient? Tu y tiens ou non? Bah ouais. Si je m'amuse, que je le claque, que je balaye le sol avec, c'est très plaisir. Bah non. Bah, voilà. On peut même pas balayer avec ça. C'est un exemple que je te donne. Pour moi, ça, c'est un balai. Toi, tu vis là-dedans, dans cette merde. Quand y allais, j'ai eu la plus grosse honte de toute ma vie, en fait. Ça, c'est, je vois, il y a du moisi là-dessus. Là. Toi, tu dors à côté. Donc, dans quel état, toi, après, tu es physiquement? Mais là, ça, excuse-moi, mais ça pue, quoi. Je veux pas dire le terme. Bah, si, ça pue la merde. Je suis désolé, mais... C'est une déchetterie, voilà. C'est une poubelle. Ils appellent les nettoyeurs. Au travail, c'est parti, venez. C'est là-bas, au fond, à gauche. Allez, au boulot, c'est parti. Ils sont arrivés, déjà, ils avaient tenu. Une blanche pour éviter de salir, des gants et un masque. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! J'ai vraiment déconné là sur la chambre. Équipés de leur combinaison antimicrobes, nos trois experts de l'hygiène s'attellent à la tâche et elle est rude. Ils ont tout pris, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont tout balancé, ils ont tout nettoyé. Tout ce qu'il y a là-bas, nettoyage total. On va désinfecter ta chambre. Dans des sacs de poubelles, ils ont pris mon lit, ils l'ont retourné, ils ont vidé ma chambre. Une fois le nez.